Salut à tous les unboxers, on se retrouve aujourd'hui pour un produit supplémentaire, un nouveau produit qui n'est pas de la marque Apple cette fois-ci, c'est plutôt quelque chose de décoratif. C'est un cadre connecté en pixel art. Alors connecté, la connectivité a priori est uniquement un cadre Bluetooth, voilà, et on a possibilité de changer l'affichage. Alors soit on règle des petites images, soit on a même carrément possibilité de mettre des animations, ou encore l'heure, la date et des choses comme ceci, voilà. Donc il y a 256 couleurs sur les LED. On est vraiment sur quelque chose de basique, hein, plutôt du pixel art. Mais ça peut avoir dans un intérieur un aspect plutôt sympa, plutôt contemporain. Voilà. Alors, voyons. Toc. Comment cela se présente? Ah, on a un petit... Voilà, alors ça se passe par l'interface se fait par une appli sur smartphone qu'on trouve sur l'App Store ou sur le Google Play. Et puis c'est par cette appli que vous pouvez programmer en Bluetooth ce que vous mettez sur votre cadre. Voilà. On va retrouver à l'intérieur, tiens, des petits autocollants, c'est rigolo, des petits autocollants en pixel art. On va retrouver une notice, voilà, dans à peu près toutes les langues et les alphabets possibles. Et le cadre, alors on note qu'on va avoir des emplacements pour le fixer au mur et, un petit trépied pour pouvoir le poser pour qu'il tienne debout. Faut bien penser. Ouais, ok. Alors, power on sur le top, qui était dit. Voilà. Très bien. Oh, c'est joli. On voit surtout le reflet. Connecté en Bluetooth. Là, c'est rigolo. Il y a une espèce de sensation de profondeur. Et on tombe sur un écran de. On tombe sur un écran de présentation. Alors. Ça se branche ici, on voit, on a l'USB 3, l'USB-C pardon, et donc il y a une petite batterie à l'intérieur qui fonctionne alors que je n'ai pas branché. Par contre, je ne vois strictement, je ne voyais pas le cordon d'alimentation, mais le voici, on a un cordon tressé, donc il nous faudra avoir, voilà, pouvoir le brancher sur USB. C'est-à-dire qu'on peut totalement le brancher sur un ordinateur qui est régulièrement allumé. Ça va recharger la batterie et puis quand l'ordinateur est éteint, peu importe, le cadre fonctionnera toujours. Voilà. Écoutez, j'espère que ce genre de produit vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore le cas, sur le chemin, vous trouverez le bouton s'abonner et la cloche. N'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing.